4 septembre 1797. Coup d'État en République française par François Rebel. 11 mai 1798. Coup d'État en République française. La loi du 2 Fleurier. Samedi 9 novembre 1799. Coup d'État en République française. Napoléon Bonaparte accède au pouvoir. 2 décembre 1851. Coup d'État constitutionnel en République française. Napoléon Bonaparte se maintient au pouvoir à quelques mois avant la fin de son mandat, pendant que la constitution de la Deuxième République l'empêchait formellement. 13 mai 1958, coup d'État en République française. Le général de Gaulle revient au pouvoir. L'histoire ne ment pas. L'histoire ne ment pas, sauf si on laisse les menteurs la raconter. Avant même que le Burkina Faso n'accède à l'indépendance, la République française avait déjà connu 6 coups d'État. Comprenez donc que nous sommes dans le deux poids deux mesures, parce que fin d'année 2023, classification des 10 Français les plus grands hommes de tous les temps. Et surprise, en deuxième position, Napoléon Bonaparte, le putschiste. Dans le deux poids deux mesures, quand c'est eux, ce sont des sauveurs. Et quand c'est nous, ce sont des putschistes. Quand c'est eux, ils jettent des fleurs. Et quand c'est nous... c'est nous, ils balancent des sanctions. Quand c'est eux, c'est le tapis rouge, plus grand homme de tous les temps. Et quand c'est nous, ils sont en rage et comme des caméléons, ils changent de teint. Quand c'est eux, la démocratie, c'est laisser le peuple choisir. Et finalement, quand c'est nous que le peuple choisit, ils disent que le peuple a mal choisi. La démocratie, c'est le libre choix et la dictature, c'est quand on impose. Mais quand eux, ils nous imposent la démocratie, n'est-ce pas ça aussi la dictature? Alors oui, on a bien le choix, mais le choix entre deux dictatures. Celle que l'on dissimule dans les lois et celle qui révèle les lois dissimulées. Ne confondez pas la liberté et le fameux libertinage. Ne demandez pas à une prostituée des conseils de mariage. Ils ont les deux poids, deux mesures. Méchanceté et manigance. On ne peut pas choisir entre les deux. Il nous faut notre propre balance. Ils ont la politique du sorcier, effrayé pour capturer l'âme. Mais quand on essaie de capturer un étalon, il faut au moins réfléchir mieux qu'un âne. C'est pourquoi ils ont, quand c'est eux qui font des unions, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est nous qui faisons une alliance, il y a un problème. Pourtant, l'union du mari et de la femme, c'est bien l'alliance qui est la preuve et l'emblème. C'est pourquoi quand on refuse, on dit non. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dans le domaine des communautés, quand on refuse, on s'en va. Et si ceux qui s'en vont sont 2 ou 3, eh bien c'est ceux qui restent qui sont en danger. Quand ils sont heureux, nous, on est contents. Mais quand c'est nous, ils ne supportent pas. Pour eux, nos tirailleurs sont morts au combat. Mais quand nous sommes attaqués, ils ne dénoncent pas. Parce qu'ils ne supportent pas ton sourire, la joie de vivre de tes enfants. Ils ne supportent pas ton avenir. Tant qu'ils n'y voient pas en ça, ils ne supportent pas ta paix. Et ton développement les dérange. Ils font tout pour avoir ta peau. Fais le cauchemar dans ta vie de rêve. Alors, est-ce que ce sont des amis ou bien ce sont des ennemis? Désormais, face aux ennemis, on a les mains fermes. Mais il faut aussi que vous cherchiez parmi vos ennemis ceux qui les forment. C'est pourquoi
Dès lors, nous sommes résolus à continuer dans la lutte que nous menons, à choisir notre destin. Parce que si vous risquez de les trouver, en les trouvant, vous prenez un risque. Et vous risquez donc de réussir par sortir ce pays du délit terroriste. Vous risquez aussi de réussir contre les pronostics des pessimistes. Vous risquez de construire un Burkina fier et libre. Vous risquez de terminer ce que Sankara aurait fait si on l'avait laissé vivre. Finalement, nous sommes là pour faire un choix. Et je choisis de prendre le risque. Pour la patrie, la famille, la nation et le combat, je choisis de prendre le risque. Et ne vous y trompez pas, nous sommes un peuple libre. Mais ne confondez pas liberté et le fameux libertinage. Ne demandez pas à une prostituée des conseils de mariage. Nous sommes l'alliance, la preuve et l'emblème de ce que eux, ils appellent union.